Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec Trading Central. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur de la distribution et plus particulièrement à Kering. D'un point de vue fondamental, les ventes du groupe au premier trimestre sont ressorties inférieures aux attentes des analystes. La performance de la division luxe a déçu, notamment celle de la marque Bottega Veneta. Graphiquement, l'ouverture en trou de cotation baissier du 22 avril a relancé la dynamique baissière sur le titre qui évolue désormais en dessous de ses moyennes mobiles courtes et longues. De son côté, le RSI est négativement orienté sous sa ligne de signal. Ainsi, tant que 160,1 euros, soit la borne haute du trou de cotation, reste résistance, la formation d'une nouvelle jambe de baisse est attendue en direction de 138,6 et 136,4 euros. Afin d'optimiser ce scénario, nous avons sélectionné le turbo infini put V148B émis par BNP Paribas, de barrière désactivante à 185,83 euros. L'effet de levier sur ce produit est de 3,26. En résumé, nos objectifs sur Kering se situent à 138,6 et 136,4 euros. Seul le dépassement des 160,1 euros viendra invalider ce scénario baissier. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à lundi pour un nouvel avis d'expert.